Et salut à toi YouTube et bienvenue dans cette vidéo de la COTD. COTD du 3 juillet tout simplement. Et on a une map un petit peu style World Tour. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ce délire là. On va voir, je suis en train de télécharger un mod. Ah oui, j'ai rajouté le download indicator qu'on voit vite fait à travers le chat en haut à gauche. Et pourquoi j'ai l'impression que c'est une toute petite map? En fait, en cam 7, on aurait dit que c'est une toute petite map. Bon, j'ai déjà le mod, donc je pense que je télécharge des car skins, là. Ça, c'est quoi? C'est du plastoc, ça? Ah, je sais pas, je crois, oui, c'est du plastoc. Ok. Ça n'est pas très fort. C'est peut-être la musique qui est trop forte. C'est tellement la couleur du plastique. Ouais. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas les petits points, tu sais. C'est un peu bizarre. Pourtant, le plastique en TMGL, il est pas comme ça. Bon, en vrai... ouais, cool map. C'est une map correcte. Mais pourquoi le son de ma voiture est plus... Est-ce que je pète un plomb, là? J'ai l'impression que le son de ma voiture est plus bas que d'hab. Je pense que je pète un plomb. Est-ce que je peux rappeler... le format de la COTD? En vrai, si des gens découvrent, au cas où. Quelqu'un a demandé la signification tout à l'heure de COTD, donc je me dis que... peut-être des gens qui connaissent pas le principe. En gros, la COTD, c'est la Cup of the Day. Donc, Coupe du jour en français. Et tous les jours, à 19h, il y a un nouveau circuit qui sort. On a 15 minutes de time attack sur ce circuit-là. Et ensuite, suivant notre classement, on atterrit sur un serveur. Un serveur en mode knockout. Le mode knockout, c'est un petit peu comme un battle royale. En gros, à chaque round, il y aura des éliminés. Et le but, c'est de jamais être dernier dans les rounds. Jusqu'à qu'il n'y ait plus qu'un seul joueur. C'est des serveurs de 64 joueurs pour la deuxième partie. Donc en gros, là mon but à moi, c'est d'être dans le top 64 des joueurs à gauche. Pour être dans la première division. Et ensuite, deuxième division va de 65 à 128. De 129 à bliblablu, c'est seed 3. Je pense que c'était clair. Et pour savoir si c'est vraiment clair, imaginons là, je fais 1718e. Quelle division je tombe? Allez, vous avez 30 secondes. Bliblablu, c'est clair? Ok. Ah, j'ai pas demandé le calcul. J'ai demandé quelle division on tombe. Div 27. C'est ça. Exactement. Moi, j'avais déjà fait le calcul au préalable, évidemment. J'aurais pas dit un chiffre random. On sait bien. et ouais. Très bien. Si beaucoup de gens du chat disent la même chose, c'est que ça doit être vrai. Ah non, j'ai fait le calcul et c'est effectivement 27. Après, c'est du hasard que le chat les spam. Bon, bref. Ayos Animis. Coup de chance du chat. Hein. Ah, ils avaient une chance sur... à peu près. Là, j'ai pas fait les calculs au préalable, j'avoue.
Bon, est-ce que je loupe un truc? Je suis 114e. Je crois que je loupe rien. Je crois que j'ai dû louper ma run, mais... Ah oui, ici j'avais mal fait. Ah, la petite release. Tac. Tac, tac. Tac. Et là c'est full speed. Et là, on jump. Into GS. Non. Non, il y a un CP. J'ai pas touché en haut. Oh non! Ok. Bon, est-ce que je peux faire une run? Parce que là, j'ai un peu honte de mon temps, je dois vous avouer. J'ai honte, les gars. C'est une COTD spéciale World Tour? Non, non, juste le mapper à 1000 modes et voilà. Il a 1000 modes, des petits items et... Oh, je rate le last turn. Ok, il faut pousser. Pousser, madame. Là, il faut que je pousse un 45 lots. Je peux pas... Mais le premier turn... Trop bizarre. Merci, Bambi. Merci pour les 100 bits. C'est très gentil. Premier turn. Mais je grid parce que c'est des blocs bizarres. Je crois que je suis nul. Je crois que je me réveille d'un coma. Et en fait, je suis nul au jeu. Ok. Mais je pense que je suis pas divin avec ça. Pensez quoi, vous? Ah, 17ème quand même. Ah, si. Mais mec, ce petit hurtin, il me con. Et là. Faut que je fasse ce genre de transi. Ah ouais, c'est trop bizarre.
Si Barbo Sound, c'est win. C'est free win si Barbo Sound. Je veux dire. Non, je crois que je vais regarder le GPS. Je comprends pas. C'est un drift bizarre qu'il fait. Genre, il a pas d'airtime là. Ok. Ah ouais, grid linté. Bam. Est-ce qu'il push à gauche? Ah, moite, moite. Ah, last turn. Last turn, il fait beaucoup. Salut, Zison. Est-ce que la map elle est de Eggs? Qui a déjà eu pas mal de COTD, donc c'est pas un no-name. Mais le GPS est encore plus intérieur et. Et il perd pas le grip. Il est là le map. Oh, je pars où? Je pars à des années-lumière. Allez, last try. Et là, j'étais pas où elle m'a peur là. Bizarre. Non mais j'ai de quoi faire des bons temps je pense. Après j'aurais pas la pace pour win. Est-ce que j'allais toucher ou pas? On ne saura jamais. T'as gardé le skin de la campagne, t'es pas convaincu? Ouais, je suis toujours pas convaincu, mais j'oublie de changer. Pam, pam, pam. Regardez, là c'est... Non, attendez. Là, ça va être PB instant. Mais PB de zinzin. Genre là, c'est 44. Attendez. Yorick. Ça commence à faire beaucoup là. Mais frère, ce airtime, je vous jure que là j'étais
censé avoir moins d'airtime que le map. C'est PB, hein. J'ai dit c'est PB. C'est pour le 29e mois, Pierre. J'ai fait un point 300. Et mon PB, c'est 330. Bon, par contre, le downloader, là, il peut se calmer. C'est où qu'on gère, ça, hein? Ça, je le vois pas. Quelqu'un le voit? Loading screen. Download indicator. Moi, je veux juste les modes, en vrai. Ah, peut-être les médias aussi. Ah là, on est pas mal. Et là, je veux laver mes lunettes. Ah oui, merci Mash aussi. Je crois que j'ai pas dit. Merci beaucoup pour le resub. C'est pendant le timer du début. Beaucoup pour le cinquième mois. Donc une lingette au lit. Non, c'est une lingette. Ah merde! Oh non! J'ai pas vu que ça démarrait tout de suite, moi. Ça va, il y a eu quelques chocs. Oh, j'ai de la peine. En fait, j'ai une lingette dans la main. Wow! Oh, le airtime. Oh, le respawn est si loin. Oh, il est avec moi, lui. Ah, là, c'est Elim. Là, c'est Elim First Round. Il n'y a pas de... Oh, non. Comment c'est possible de aussi mal jouer, genre? Je pense que j'ai jamais... Je sais pas. Est-ce qu'il y a une erreur que j'ai pas faite dans la run, genre? Ok, pas de lim, pas de lim, c'est bon. Pas de lim. Oh, j'ai eu peur. Oh, faut que je me déstresse. Oh, le no drift, oh là là. Ah, je suis out là aussi. Ah ouais, là c'est rouge là. Let me see, ok, je suis pas mal. Ouh, ça choque. Ouh, ça choque devant. Fast, hein. Ok. C'est bon, on a fait nos petites erreurs, maintenant on en fait plus en fait. En fait, c'est le quota d'erreurs par COTD si vous voulez. Je les ai toutes faites sur le premier round.
Ouais, manette, manette. Ok, 20e. Ce emote là, c'est le vrai? Il est out? Emote. Emote 17? Je crois 17, c'est le vrai. 18, c'est Fegir. Quelqu'un a l'info? Je crois que 17 c'est le real. Ok, 45 PB. Enfin, techniquement j'ai un point 300, mais. Il y a 16, 17, 18, mais le 17 c'est le vrai. Le problème de la livrée. Le skin? Comment ça la livrée? J'ai jamais entendu ça. Ok, ok, ça commence à rouler. Livrer, mot français pour skin. Ok. J'aurais dit pot. Tinky Winky. Allez, focus. C'est vraiment un synonyme mais un abus de langage. Livrer, c'est la livraison.
T'es sur une bonne run là. La livrée, historiquement, ce sont les couleurs d'une maison, l'uniforme caractéristique. Donc ça colle au final assez bien avec skin. Ouais, je connaissais juste pas le mot, hein, mais je vous crois. Après, on est tellement habitué à l'anglicisme dans les jeux vidéo. Oh. J'ai mis le airtime. Hein. Oh, le drift sur le turn un peu hard. J'ai pu full speed le fin. Ok. Non mais en vrai, si on se concentre sur le vocabulaire, quasiment un mot sur quatre, on le dit en anglais. Genre quand on parle du jeu. Non, ça se fout de ta gueule si tu dis le terme en FR. Imagine dire livré, sérieux. Je rigole. Mais non, personne se moque. Ah, sérieusement. Je suis lent. Ah ouais, bah voilà, mam. Cyclose de latte, ça suffit. Ouais, bah là, était en train de une, un, mais j'ai. En vrai, faudra pas compter les mots en français, mais. Après, si on parle vraiment de la nomination des trucs. Non, là, oui, c'est plus que 1 sur 4. Je te vois pas faire moins de top 10. Ça dépend si je me concentre en vrai.
Oh, c'est déjà top 20? Oh, je suis vraiment pas concentré. Genre le point d'exclamation focus, il fonctionne. Si tu regardes le chat en plein run, c'est pas focus. Ouais, complètement. Est-ce que j'essaye de lire la commande Oli en plein run? Là, j'étais dans le mal, j'ai pas pu me permettre. Cet homme n'a aucune limite. Eh, multitasking. Multitasking. Là, imaginez, je stream. Je parle, je joue. Je lis le chat. Je respire. Genre... Je digère aussi. Gère. Multitasking en FR. Ça, c'est vrai, hein. Je suis en multifonction. Je multifonctionne. Un couteau suisse. Wow, what is that? Airtime. Non, attends. Temps en l'air. Qu'est-ce que ce temps en l'air? Moi, je me voyais pas faire plus de top 10. Hein.
Waouh. Bon, j'ai un très bon star, donc ça... ça sauve un petit peu. Coco, c'est ciao. Non, c'était top 20 et j'ai fait 21. Je crois. Ou 22. Allez, il n'y a pas de prédit, ça fait... Oh, joueur. Bon, j'étais obligé de grade, j'avais le pire airtime. Une paix. Top 8, très content de mon top 8. T'as oublié la CA. Bon, j'aurais pu aller chercher un truc, mais bon. Allez, on va pouvoir spec le reste. Je pense qu'au début, il y avait peut-être des lines différentes. Après, je me retrouvais souvent dans le top. Au CP d'après. Genre ici. Ouais, non, ils font la même chose. Non, il n'y a pas de cash prize. Non, c'est purement pour le fun. C'est un rendez-vous de la communauté, on va dire. Pas le couteau suisse le plus aiguisé du tiroir. Bah... Oh, attendez. Oh, le snipe de Vicky, peut-être. Ah, il a tenté. Je suis le couteau suisse le plus aiguisé. Couteau suisse du terroir. Merci à Dio Curry pour lutter à moi. Après Afi. Ah, il est où Afi là? Moi je le vois pas. Hein. Non mais où? Yo Killian. Ouf. Oh mais loco encore hein. En mode dernier wagon, hein, loco. Et malheureusement, Paul le poulpe. Faut qu'il se motive. Putain, elle est bien celle-là. Oh, elle est très très bien. Vamos. Vamos, loco. Ok. Pour l'instant, Brinken. Attendez, on a un round close. Ok, qui va grid l'inté? Pas Brinken. On va voir ici au niveau du airtime. Tout le monde le gère. Et peut-être... Oh, dommage, il avait plus de speed que Link.
Allez, top 4. Il a. J'ai. Ah ouais. Ok. Bah, il a voulu dire GG. Moi, je dis. Loco out. Ensuite Link. 1v1, 12, Scandir. 12 gagne. Eh bah salut, ça va ou bien? Merci. En gros, cet ordre. En fait, 12 est plus habitué au 1v1 final que ce qu'on dit. Merci beaucoup, Neil, pour le troisième, le quatrième mois, merci beaucoup. Et Elio Curry, je sais plus si j'ai dit. Merci pour le 8e mois. Oh. Non, pas le temps de prédit. Il va exter en plus, lui. C'est la pire trage. Il l'avait déjà fait sur le round d'avant. J'ai pas vu. Mais je pense qu'il a voulu diagonale et il a raté. Il a tapé le mur à droite, genre? Ou il a no drift? Ah, il a eu du temps en l'air. Ah, il s'est vraiment étranglé là-dessus. Ok. Le lien contre 12e. Étrangler, c'est choc. On sait pas avoir besoin d'expliquer. Et pour l'instant, Link qui nous fait un classique. Voyons voir sur le dernier temps. Toi qui va tenter de pêcher. Est-ce qu'il a plus de vitesse que Link? Et c'est Link. C'est trop marrant de cast comme ça. Bon allez. Kebi. En point 72. Ah, il va chercher la trage. Oh, c'est malin. Je pense qu'en hunting, là je hunt genre 15 minutes, je pense que je point 8. Frais de douane pour des commandes au-dessus de 65 francs. Malheureusement, 30 francs de douane pour 90 francs d'achat. Un poil déçu, j'espère que ce sera bon. Bah, désolé pour ça. Et ouais, j'espère que ce sera bon aussi. Let's go! Bon, YouTube. This is the end. La fin de cette CETD qui était très cool en vrai. Petit top 8 du coup.
top 8 et c'était marrant à cast. Voilà, j'espère que t'as apprécié. N'hésite pas à me le faire savoir en likant cette vidéo et en t'abonnant à cette chaîne si c'est pas déjà fait. On se revoit très vite. Des gros bisous. À bientôt. YouTube.